Désolé, j'interromps cette vidéo pour vous faire part d'une chose importante. L'actualité en Belgique en ce 18 mars 2020. Ici en Belgique, on vient d'annoncer le confinement généralisé à partir d'aujourd'hui, donc le mercredi 18 mars 2020, pour contrer la propagation du coronavirus. Oui, ça fait chier tout le monde. On n'a même plus le droit de faire ce qu'on veut. C'est une simple grippe et on en fait un foin pas possible. Cette phrase, c'est ce qu'on peut entendre dans la bouche de ceux qui savent. Oui, c'est une personne bien informée, bien sûr. Hein. C'est le libraire du coin qui vous l'a dit. Et qui, lui, détient de la cousine, de la tante, du voisin, du chauffeur qui livre les journaux tout le matin. Cousine qui travaille dans le laboratoire pharmaceutique, bien sûr. Hein. Donc, elle est bien placée, n'est-ce pas? En fait, la cousine en question est technicienne de surface. La femme de ménage, en fait. Celle qui fait les poussières dans la cafétéria du laboratoire en question. Mais ça, on a oublié de vous le dire. Soit, le coronavirus Covid-19 n'est pas une simple grippe. Et à moins que vous ne soyez un chercheur impliqué directement dans la recherche à propos de ce virus, ni vous, ni moi, ne sommes compétents pour donner notre avis sur ce qu'il faut faire ou pas. On peut certes ruminer contre les mesures prises, et surtout le confinement général, mais en y réfléchissant un peu, c'est la meilleure chose à faire, non? Ce virus peut se transmettre par une simple poignée de main, donc imaginez, hein, très facilement. Eh oui, c'est qu'on nous interdit de sortir de chez nous, sauf si c'est absolument nécessaire. On peut plus aller se saouler la gueule dans les cafés, et fini aussi d'aller draguer les nénettes dans les discothèques. Et encore moins la grimper dessus après l'avoir plotté pendant 3 minutes 30 le temps d'une danse. Oui, c'est vrai, c'est frustrant de se faire dicter ce que l'on peut faire, et ne pas faire. Mais c'est con, ceux qui limitent notre liberté, ce sont des gens qui sont réellement au courant de tenants aboutissants de la maladie. Je ne parle pas des politiciens, mais des chercheurs qui ont remis leurs conclusions et avertissements aux gens qui nous gouvernent. Donc oui, c'est contraignant. Oui, c'est frustrant. Mais c'est pour votre bien et pour celui des gens qui vous entourent, ceux que vous aimez. Alors, calmons-nous, soyons courtois et polis, appliquons les règles imposées et profitons-en pour faire tout ce dont on se plaint généralement n'avoir pas le temps de le faire. Donc voilà, pour ma part, j'en profite pour rattraper mon retard dans la mise en boîte de nos vidéos YouTube. Arrêtez de lire et d'écouter n'importe qui racontant n'importe quoi. Réfléchissez par vous-même et vous comprendrez que ce confinement est la seule solution valable pour le moment, tant qu'on n'aura pas trouvé un remède efficace contre ce virus. Bon, refermons cette parenthèse et passons à la suite de cette review. Yeah, yeah.